Le numéro 17, le comte du Pecos, porté évidemment par le arabe du Pecos, Patrick Dazak. Un mâle gris, né le 14 mai. Un fils de Kno et de femme. Et même le chevreuil, venant du ministère. Et il vache la borne, le chevreuil, on en a parlé tout à l'heure. Frappe de Mancarose. Deuxième également du Grand Prix des Anglo-Arabes. Et femme, on va faire marcher s'il vous plaît. Femme, la première mère, elle est née en 94, elle est malheureusement morte en 2014, à l'âge de 20 ans. Et une victoire en plat et deux victoires en boxe, c'est la mère de Chiesa du Pecos, Fujis du Pecos, et également de Charles du Pecos, lui-même un fils de Rajbat, deuxième du Critérium, les jeunes, 12,5%. Et Fujis du Pecos reste sur 4 victoires. Plus une troisième place dans le Grand Prix des Anglo-Arabes. C'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Troisième du Grand Prix des Anglo-Arabes, derrière chaque de Fouda Gold. Et on va le faire également trotter, s'il vous plaît, le fond du Pecos. Un petit aller-retour au pont. Un proche parent également d'Ozart de Colombe. Les Arts de Colombe, qui est un grand national des Anglo-Arabes, qui désormais est à vous aux Arts, qui faisait la montre cette année au War de Lassos, chez Jérôme Dervès. Et c'est également plus loin la famille de Fribol du Pecos, France du Pecos, Carpet, Parse, Foudre du Pecos, et également French Kiss du Pecos, un type de policy maker. Donc une victoire en une sortie. C'était au printemps, Franchise du Pecos, qui porte la carrière de Sagara.